Bonjour chers téléspectateurs et merci de faire confiance à votre télévision panafricaine HTV. Si vous scotchez ou encore si vous prenez l'écoute à l'instant comme tous les samedis lorsqu'il est 11h30 sur cette antenne, c'est votre programme H-Foot qui démarre pour cette autre édition. Nous sommes là avec ceux qui tournent autour du sport, ceux qui travaillent autour du sport ou encore ceux qui ont pratiqué. Une manière pour nous donner la parole aux âmes désœuvrées du sport ou encore au sport roi. Au niveau du Cameroun, pour cette autre édition, on va prendre le sommet qui est signé par David Kevin Abala et on se retrouve derrière. Bonjour chers inconditionnels de H-Foot. Au menu de cette autre édition, Champions League africaine, le tirage de la phase de groupe est connu. Zamalek et Génération Foot vont rejouer le match. Affaire UMS Arunandang, Bambutos le grand gagnant. Période FIFA du mois d'octobre, Antonio Conceição et ses poulains croisent la Tunisie ce samedi. Cascade de blessures dans la tanière. Qualification des Jeux Olympiques Tokyo 2020, le Cameroun passe l'obstacle de la RDC. Rendez-vous face à la Côte d'Ivoire au quatrième et dernier tour. Ligue 1, le kick-off sera donné ce dimanche à Bafoussam, avec la Supercoupe opposant UMS à Lyon blessé. Bonne dégustation et à samedi prochain. On dira merci à David Kevin Abala qui signe ce sommaire. Si on a convenance de cela, on sait désormais ce qui nous attend pour cette autre édition pour ce samedi matin. Et ils nous ont retrouvés sur ce plateau. Je ne serai pas seul. Je suis accompagné des gens qui parlent des questions de sport, des questions de football. C'est une consoeur qui nous fait l'amitié ce matin. Vous avez entendu parler des Lions indomptables du Cameroun. On parlera aussi de la Ligue spécialisée de football féminin. Et elle traite ces questions jour après jour sur son site camerounsport.info. Et le groupe Culture Urbaine pour lequel elle officie. Il s'agit de notre consoeur, Ngonola Frida, qui nous fait l'amitié. Belle bonjour et bienvenue, Frida. Bonjour, fils Daniel Injek. Bonjour également à tous les nombreux téléspectateurs de HTV. Comment vous allez? Je vais bien. Encore que les Lions se sont qualifiés pour le quatrième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques, donc je vais bien. On a vu la sortie d'Alain Diéfa, c'est pratiquement le dernier article que vous avez signé sur votre site avant d'entrer dans ce studio. Effectivement, c'est à voir les prestations de la gardienne de but Ngondom. On se demande pourquoi est-ce que le coach lui fait toujours confiance, mais il a réitéré sa confiance après le match aller contre la RDC à Yaoundé. Il a dit pour le moment, il lui fait toujours confiance et il n'entend pas pour les heures à venir ou alors les jours à venir d'entamer la construction au niveau des buts. Et donc, ce sera difficile, Lengo Essé et bien d'autres qui sont là, ils vont encore attendre un peu. Je crois qu'il faudra que Ngondom fasse une fois de plus couler le bateau Cameroun pour qu'on leur fasse confiance et qu'on leur donne leur chance. Et avec vous, on va un peu parler de ce Camerounais. Il s'agit du CEO de l'équipementier italien Garman qui a grandi après qu'il ait habillé la CAF lors de la dernière édition. Il a habillé les Comores, Madagascar et bien d'autres pays. Il vient d'agrandir sa liste avec le Soudan du Sud. Le Soudan a habillé en Garman qui a réussi à damer le pion à son adversaire pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 qui ont commencé depuis le milieu de semaine. Un mot sur Amel Moifo et Garman, sur cette action, ce marketing qui est probant du côté de Garman avec ce Cameroun. Oui, on sait que le Cameroun a toujours aidé à mettre sous le feu des projecteurs les équipementiers, puisqu'on a vu Puma qui était arrivé au Cameroun, qu'on ne connaissait pas encore réellement dans le monde des marques, des grandes marques. Le Cameroun a contribué à positionner cette marque-là. Et le Cameroun également a donné sa chance à Garman, on sait la ligue professionnelle et tout, avec des ballons qui allaient en s'améliorant
en ce qui concerne la qualité, parce qu'on sait qu'au départ, c'était difficile. Mais ils ont réussi déjà à s'imposer en ce qui concerne la qualité. Les maillots, donc, les ballons, c'est normal. C'est normal que certains, au regard de la confiance que le Cameroun avait posée à cette marque, puissent aussi également se mettre dans les rangs de Garmin. Mais on a vu que pendant la dernière 32e édition en Égypte, c'est Garmin qui a habillé les volontaires de ce côté. Garmin a habillé Madagascar, Garmin a habillé bien d'autres pays. Et aujourd'hui, avec cette autre action du côté de... On voit le CEO Amel Moifo avec le président de la Fédération du Soudan du Sud. Et de ce côté, c'est un Camerounais qui officie, l'ancien coach des Lions juniors du Cameroun. Il s'agit de Cyprien Achoubesson. Il commence bien le week-end. À milieu de semaine, ils ont gagné 2-1 pour le premier tour éliminatoire de la CAN Cameroun 2021. Oui, effectivement, c'est la preuve que le Cameroun a des hommes de valeur et des hommes valeureux, et que le travail que Armel Moifo fait du côté de Garmin n'est pas anodin. Ce sont des personnes qu'on aurait voulu voir avoir plus de place ici au Cameroun en ce qui concerne le marketing sportif. Mais malheureusement, on se retrouve encore avec des stades sans publicité et tout, sans branding, sans rien. C'est des gars qui peuvent apporter en ce qui concerne la communication sportive au Cameroun. Garmin a la chance qu'il l'a recruté et qu'il continue de déblayer le chemin, d'abord en Afrique également. Je suis sûr que dans quelques années, c'est l'Europe qu'ils vont attaquer. Ils vont venir titiller les grandes marques telles que Puma, Adidas et tout, puisque eux-mêmes, ils ont commencé tout petit. Et je crois que c'est l'objectif principal. La Ligue spécialisée, par exemple, de football féminin peut prendre la balle au bon en essayant de signer avec un équipementier comme celui-là pour gratifier ces 12 clubs qui vont devoir disputer le championnat cette année. Bien sûr, ce serait bien encore que cette Ligue a pour objectif de remettre des équipements sportifs aux différents clubs de football féminin. Il pourrait, par exemple, s'appuyer sur Garmin pour essayer de mettre un peu plus de qualité en ce qui concerne ces équipements pour que les filles soient bien habillées, qu'elles jouent au bon ballon. Bon, maintenant, est-ce que la cellule de la communication, est-ce qu'elle existe vraiment dans cette ligue? On ne sait pas. Ou alors c'est la fédération qui gère globalement. Les choses sont en train de se mettre sur pied. Voilà, on peut vous rassurer, les choses se mettent sur pied. Ça, voilà. Ça travaille de ce côté-là. Avec Madame Anguille, avec la présidente Céline Eco, les choses se mettent progressivement sur pied parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec eux. Mais déjà qu'ils ont un nouveau bureau du côté de la direction technique nationale au centre-ville de Yaoundé. Oui, effectivement, il y a de nouveaux bureaux qui arrivent. On espère que les stratégies de travail seront aussi nouvelles parce que le football féminin a trop souffert et assez souffert. Voilà, c'est une dame qui parle, et lorsqu'elle parle de cela, on peut simplement comprendre qu'elle défend la cause féminine, et surtout qu'on voit par exemple ces Amazones jouer au stade Anexmo 1 de l'Omnisport, jouer au stade militaire ou enlever des rideaux des grandes rencontres du championnat qui est annoncé dans les prochains jours. Et j'ai la peine à le présenter, hein, celui que je vais devoir introduire tout à l'heure. J'aime bien dire, le footballeur le plus titré au niveau du Cameroun après les stades, désormais il a embrassé l'encadrement. Il est éducateur, il vient de disputer ou encore il vient d'être sacré champion du centre avec la formation de Sporting, bien qu'au niveau des Interligues, ce ne soit pas bien passé. Il s'agit de Sébastien Ndjanakana Dizagor pour les intimes. Bonjour et bienvenue, Sébastien Ndjanakana. Bonjour, fils Daniel Njek, et bonjour à tous les... Comment vous allez? Bien, et bonjour à tous les téléspectateurs de H-Foot. Et comment vous allez? On sait que ça n'a pas été évident, ça s'est enchaîné. Après la finale des barrages dans le centre, vous avez dû batailler au niveau des Interligues, mais ça ne s'est pas passé comme vous voulez, parce que Sporting, finalement, a été battu par France Fanon, et vous n'avez pas pu vous qualifier pour la deuxième division régionale dans le centre. C'est comme je l'ai dit tantôt aux journalistes la dernière fois après la finale. J'ai dit mes joueurs vraiment ne s'entraînaient pas assez. Bon, nous sommes arrivés aux Interligues, mais ils ont vu que c'était un niveau au-dessus de ce qu'on faisait durant tout le petit tournoi qu'on a joué. Bon, ça s'est mal passé. On va continuer à travailler pour le futur, quoi. Et vous avez pêché à quel niveau? On a quand même vu qu'après la finale qui s'est disputée au stade des sapeurs-pompiers, quelques jours après, il fallait enchaîner. Deux jours, pratiquement 48 heures. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer de cette finale face à ce Robert. Oui, je crois que déjà, le premier match, ils n'ont pas vraiment eu le temps de pouvoir bien récupérer parce que les gars étaient fatigués. Mais au deuxième match, on a mené après l'adversaire égalisé. Bon, hier, au troisième match, l'adversaire n'est pas venu. On a gagné sur tapis vert.
Et lorsqu'on voit sur l'écran, on voit ces jeunes que vous avez dû encadrer durant toute cette saison du côté de Sporting. Mais à côté de cela, il y a Edding Formation qui est promu en deuxième division. Il y a France Fanon qui est promu en deuxième division. Est-ce qu'on dira que ce serait bien préparé? Et cette équipe qui vient de la Ligue, qui est l'autre équipe qui vient de la MEFO et à Famba du côté de Foot, ce côté-là. Pour France Fanon, je crois déjà d'abord c'est une équipe que vous reconnaissez. J'ai Gola, des amis avec qui je joue depuis, j'ai joué depuis l'enfance, qui continuent à jouer. Bon, Edding, je crois qu'il y a des problèmes actuellement. Parce qu'on dit qu'ils alignent les joueurs, je crois, de Edding Formation, Edding Academy. Mais il y a quand même une question de réserve. Il y a une question de réserve qui se pose. Bon, mais ce qui est toujours dit, c'est qu'ils jouaient sur le stade, ils jouaient très bien sur le stade, quoi. C'était des deux bonnes équipes. Rappelons que c'est des jeunes qui jouent une prime de 25 000 francs CFA par match, donc vous pouvez comprendre que la motivation excessive était à un certain niveau. Mais par rapport à ces réserves de qualification, il y a quand même que la formation de Lens, Frida, a porté les réserves pratiquement 3 jours après le match. Est-ce que ce n'est pas une lettre morte de ce côté, lorsqu'on sait quand même qu'au niveau des règlements, les réserves se portent avant le début de la rencontre? Bon, c'est, je vais un peu revenir vers le football féminin pour mieux parler de ça. On a le problème de la montée en Ligue 1, c'est-à-dire on a eu l'équipe de Lekié, Lekié fille qui jouait la finale au niveau du centre, au niveau de la région du centre, contre Ebolova FC. Alors, lorsqu'on a fait la première programmation, Ebolova FC n'est pas arrivé. Et les arbitres ont enregistré la défaite, c'est-à-dire la victoire de Lekié qui montait directement à Ligue 1. Mais malheureusement, le match a été reprogrammé. Et ensuite, les deux équipes se sont présentées. Lekié est allé jouer, Lekié a perdu. Bon, c'est vrai que le match était entaché de quelques contestations. Ils ont porté les réserves. Ils ont dit, en fait, on était déjà champion et tout. Les réserves se portent toujours avant, toujours après, mais pas avant les rencontres. Alors maintenant, on se demande, mais pourquoi ils sont allés jouer s'ils étaient déjà champions? Donc ça vient un peu... Même il faudrait un peu plus de professionnalisme lorsque on gère le football. Le club. Lorsqu'on gère le club. Et cela va aussi à la formation des encadreurs et des présidents de club et tout, pour qu'ils sachent exactement à quel moment faire. Faire quel quoi. Moment faire. En rappelant qu'au niveau des règlements, la Fédération Camerounaise de football, les réserves se portent soit au début de la rencontre, soit vous signalez à l'arbitre. Mais maintenant, lorsque le match est achevé, vous venez 72 heures après, c'est pratiquement lettre morte de ce côté. Donc, nous, on peut rassurer les uns les autres que France Fanon ou encore Edding Formation disputera la deuxième division régionale la saison prochaine, lorsqu'on sait quand même qu'Edding Academy est relégué en troisième division départementale dans le Fundi. Sébastien Ndiana Kanon, on va avancer dans ce programme. On parle de Champions League africaine, peut-être avant de parler du tirage, je sais qu'il y a eu lieu mercredi dernier. On va tout d'abord parler de cette rencontre qui oppose Génération Foot à la formation du Zamalek, alors que Génération Foot s'était imposée depuis 1 à l'aller. Il y a eu quelques soucis au retour, mais finalement, la rencontre a été reprogrammée pour le 26 prochain, bien que le tirage sort ait déjà eu lieu. On va dire que c'est une bonne nouvelle du côté de la Confédération africaine de football. Bonne nouvelle, je ne peux pas dire bonne nouvelle. Depuis un certain temps, vous-même, vous voyez, on passe le temps maintenant à renvoyer les matchs. Les finales. Les matchs, tout ça. Là, donc, ça devient un peu plus délicat. Donc, c'est pas seulement au football camerounais, si je peux le dire, c'est tout le football africain. Quand on joue un match de Champions League et que quelques temps après, on vous dit on doit le rejouer, je crois que c'est pas bien. Et Frida, surtout que la situation... Génération Foot s'est rendue en Égypte et ce n'est qu'étant en Égypte qu'on leur fait savoir que le match ne se dispute plus au stade international du Caire, mais du côté d'Alexandrie. Ils n'ont pas daigné se rendre du côté de l'Alexandrie pour disputer cette rencontre et la Confédération vient de reprogrammer le match. On va dire ça a multiplié les incartades du côté de la CAF. Effectivement, cette CAF est déjà gérée comme, je n'ai pas envie de dire une épicerie, mais ça en a tout l'air. Parce que depuis que le président Ahmad a pris les rênes, il y a trop de problèmes, il y a trop de programmation, de déprogrammation. Les choses sont gérées d'une manière arbitraire et ça vient un peu entacher tout le travail que le président Ayatou avait fait par le passé. Parce que cette CAF-là, on ne la reconnaît plus. On a même du mal à croire parce qu'il y a des communiqués, contre-communiqués. C'est comme s'il n'y a plus une certaine harmonie dans la distribution, la reprogrammation des matchs. Donc on va simplement croiser les mains en espérant que ces derniers vont pouvoir se racheter de ce côté. On avance en parlant de ce tirage au sort qui a eu lieu mercredi dernier, la phase de poule. Donc on est désormais
les qui vont devoir disputer cette phase de poule. On a le 1er de agosto dans cette poule A, le temps pour la réalisation de nous présenter ce tableau. De l'autre côté, on a le tout puissant Mazembe. On aura le vainqueur Zamalek Génération Foot, le Zesco United dans cette poule A. Dans la poule B, on a l'Espérance Sportive du l'Étoile Sportive du Sahel, on a le El Ali, on a la formation de Platinum, sans oublier Al Ahly, on a Usma d'Alger, le Mamelodi Sundowns dans la poule C, Petro Atletico de Luanda, le Wydad Athletic Club de Casablanca dans la poule D. Dans le Wydad, on sait que on a un Camerounais qui évolue de ce côté dans la poule D. On a le Raja, la JS de Kabylie, la S Vita Club, l'Étoile Sportive, l'Espérance Sportive de Tunisie. Zagor, vous avez disputé cette finale en 2008 avec Coton Sport de Garoua. Ça nous rappelle, qu'est-ce que ça vous rappelle les souvenirs, cette Champions League africaine? De bons souvenirs, même comme on l'avait perdu. Je crois que jusque aujourd'hui, c'est comme c'était encore. C'est la dernière finale hein, d'un club camerounais à ce niveau de la compétition. Oui, c'était la dernière finale d'un club camerounais. C'était la dernière finale. Et vous voyez, tous les clubs que vous citez là, ce sont des grandes écuries en Afrique. Nous, ici, je crois que nos dirigeants sont. Et c'est encore des équipes qui reviennent chaque jour. Et voilà, comme vous le dites, ce sont des équipes. Les mêmes, qui parce que lorsqu'on jette un coup à la nuit. Nos dirigeants, nos présidents de club ne veulent pas apprendre. Quoi. Tous sont des grands. Donc, on ne peut que faire avec ce qu'on a sur les stades. Frida, un mot sur ce tirage au sort. On voit, par exemple, la poule à Gusto d'Angola. On a le tout-puissant Mazembe. On aura le vainqueur Zamalek, Génération Fuzesco United. Les mêmes équipes qui reviennent chaque année. Et nous, on se pose des questions. Où va le football camerounais? Ce n'est que dans des prétoires, ce n'est que dans des médias qu'on se retrouve en train de se déchirer alors que sur le terrain, ça ne bosse pas. Oui, c'est bien d'avoir en face de moi un monsieur qui a pu disputer la finale de cette compétition. Ça prouve que le football camerounais se portait bien avant et qu'il est possible de retourner à cet état de choses. Malheureusement, nous ne sommes pas là. On ne peut que contempler et suivre les autres qui vont pouvoir disputer ces rencontres. Ce sont les mêmes qui reviennent. Ça veut dire qu'eux, ils travaillent dans la constance et dans l'amélioration. Mais nous, on regresse, on recule. Vivement que les choses changent et qu'on puisse revoir ces équipes de Coton Sport, de Canon, le Tonnerre et même l'Union, pourquoi pas, ou alors un Edin qui revient aussi pouvoir représenter valablement le Cameroun. On a hâte de revoir une équipe camerounaise refaire damer le pion à toutes ces équipes qui pensent pouvoir avoir déjà Diamant Canon, vous avez vu faire pratiquement toute votre carrière au niveau du Cameroun. Vous avez joué dans le Canon de Yaoundé, vous avez joué dans Coton Sport, si je m'en abuse. Donc, quoi encore ? Mon Cameroun. Union New Star. Union New Star de Douala. Maintenant, qu'est-ce qui expliquait, par exemple, que vous atteignez ce niveau ? Parce que vous avez même joué avec les Lions, ah, mais vous restez tué au Cameroun. Est-ce que ça nourrissait son homme et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans beaucoup de situations, dans beaucoup de difficultés, qu'on ne puisse plus, par exemple, franchir le cap ? Oui, ça devient très difficile. Déjà, d'abord, un joueur d'élite, on va vous dire que la prime de signature, c'est 2000, c'est 200 000. Alors que moi, j'ai ri. Moi, quand j'étais dans mon Cameroun, quand le feu Abega voulait me voir, l'argent de transport, c'était 250 000. Mais si aujourd'hui, tu prends 200 000, un joueur qui joue en football professionnel, je ne pense même pas qu'avec ça, il pourra avoir deux paires de godasses. Donc, c'est un peu ce qui se passe actuellement au Cameroun. Les joueurs souffrent. Moi, je ne joue plus au foot. Et si un joueur qui joue l'élite vient au quartier et me dit « Mon grand Zagor, s'il te plaît, j'ai besoin d'une paire de godasses. » Vraiment, c'est qu'on ne sait plus où on va. Donc, au lieu de faire évoluer les choses, je crois que... Vous avez été bien payé, vous avez refusé les contrats en Belgique et un peu de partout parce que vous étiez bien dans vos têtes. Oui, sans ligner, j'étais bien, mais refuser des contrats aussi à l'extérieur, c'est un peu... On parle un peu de cette aventure. Voilà, lorsqu'on vous appelle en sélection nationale, il y a des offres qui sont arrivées de la Belgique. Est-ce que c'est que vous vous êtes dit qu'il fallait seulement aller dans le top 5 ou aujourd'hui vous regrettez cela? Parce que c'est aussi ça le clavage. Je ne peux pas dire regretter. J'étais sous contrat avec un club. Donc parfois, il fallait aussi que le club décide par rapport à ces offres-là. Donc, comme je l'ai dit, vraiment, les footballeurs souffrent au Cameroun. Et il faut qu'on essaye de revoir cela. Ça, c'est un ancien qui parle. On va rentrer dans un feuilleton. Ça s'appelle pratiquement le feuilleton de ce début de saison qui a annoncé le cas UMS de Loum, Haroun Adam. Finalement, c'est Bambutos qui en profite. Comme on le disait quelque part à Antis, que Haroun Adam qui est arrivé, on en parlait déjà l'édition précédente, pour jouer avec UMS. Finalement, il se retrouve en train de signer avec Bambutos de Mbouda. Frida, vous avez suivi ce feuilleton. Comment on va qualifier cela? Est-ce que c'est l'arroseur arrosé? Comment on va qualifier cet Haroun Adam
talents qui se retrouvent plutôt dans la formation de Bambuto Salo qui venait au Cameroun pour jouer avec UMS Delo? Bon, c'est vrai qu'on va considérer sa descente à Bambutos comme un parachute, c'est-à-dire que c'est le plan B ou le C même, parce que ce n'est pas ce qui était prévu. Mais c'est une bonne affaire pour Bambutos qui finalement continue dans sa dynamique de construction qu'ils ont entamée déjà il y a une saison par rapport à leurs problèmes qu'ils ont eu au niveau de la FIFA. On espère qu'il va pouvoir faire une bonne prestation de ce côté-là, parce que c'est... Bambuto, c'est un grand club qui voudrait pouvoir faire de bonnes prestations de son retour de la Ligue 2. Sébastien, on parle de ce cas, ce feuilleton abondant qui arrive au Cameroun, Pierre Kouimo qui achète le billet d'avion. Et il a une discussion préalable avec le joueur. On a suivi le président Léon Emizan dans des radios à milieu de semaine qui brocardait pratiquement son collègue de UMS de Loum qui n'a rien à voir dans le foot, lui qui est pratiquement non politique. Est-ce qu'on devrait en arriver là aujourd'hui? Bon, je ne pense pas. C'est aussi ça, les joueurs. Hein. Les joueurs ne sont pas toujours vrais dans leurs décisions. Donc ça peut arriver, on doit le prendre ainsi. Bon, s'il est pas, je crois que s'il n'est pas dans Bambuto, c'est sa maison. C'est le club qui l'a révélé. Oui, hein, il était déjà là-bas une fois, donc je sais, pour moi, il sait comment tout se passe là-bas. C'est pour ça peut-être qu'il a choisi de partir là-bas en Bouddha. Moi, je voudrais aussi ajouter que c'est, en fait, que ce soit les présidents de club ou les joueurs, tous sont des malins. Parce que vous avez un joueur qui va y prendre l'argent là-bas, après il se retrouve là-bas. Vous avez un président qui promet l'argent ici et qui ne donne pas. Donc, malin et demi, celui qui a gagné, gagne le tour aussi, mais après, on le gagnera forcément. Mais on a, par exemple, ce cas-là qui fait un peu le tour de la toile, qui fait le buzz actuellement au Cameroun, où un président achète le billet d'avion, il s'accorde avec un joueur, mais un matin, il appelle le joueur, il lui dit, va à la fédération signer les documents, alors qu'ils ne se sont même pas encore vus depuis que le joueur soit arrivé au Cameroun. Comment on va qualifier cela? Ben, ce sont tous des malins, c'est chacun qui tire la couverture de son côté, et puis c'est le plus fort qui réussit à chipper totalement la couverture. C'est le président n'est pas à sa première forfaiture, il est désormais spécialisé dans des petits coups sur les joueurs et tout, mais on est toujours surpris que les joueurs sollicitent toujours aller dans cette destination-là. Sébastien Djanakana, on se rappelle de cette histoire dans un aéroport entre UMS et Haroun Adam. Donc on se pose la question, comment il a fait pour accepter revenir ou encore accepter l'offre après 3 ans, accepter l'offre de la formation de UMS de Loum? Pour moi, je me dis que déjà d'abord à l'extérieur, c'était déjà difficile pour lui, parce que c'est difficile. Un joueur qui joue à l'extérieur avec des conditions meilleures que c'est d'ici, revenir au pays, pour moi, c'est inconcevable. Donc je pense que s'il est revenu, soit il n'avait plus de club là-bas, soit il n'était plus sous contrat. Bon, s'il vient, il a eu des petits soucis en Tunisie avec le CS Constantine. Il est reparti du côté de là où il vivait à l'étranger. Et finalement, il est recontacté par UMS et redescend au Cameroun. Mais signe à Bambuto Doumbouda. Bon, là, je ne suis pas au courant de cela. Comme je l'ai dit, ça ne fait que bénéficier. Ça ne peut être bénéfique pour le championnat camerounais que des joueurs qui ont essayé de jouer dehors, revenir avec cette expérience aussi. Je crois que cette saison, avec toutes ces arrivées que j'ai pu entendre et voir partout sur Internet, je crois que le championnat de cette saison sera un peu plus relevé. Le championnat sera un peu plus relevé, ce championnat ou encore le kick-off, la super coupe annoncée au stade contre Bafoussam dans quelques heures. On va en parler tout à l'heure dans la suite de ce programme, mais avant cela, on va revenir parler des sélections nationales du Cameroun, les Lions U17 du Cameroun qui sont en pleine acclimatation du côté du Brésil, qui préparent la prochaine Coupe du Monde qui démarre le 26 prochain. On connaît la poule du Cameroun et on sait que l'équipe nationale U17 a bénéficié du renfort de 6 binationaux qui sont arrivés il y a quelques jours. Il y a Etienne Eto, il y a le jeune Fotso qui sont déjà illustrés dans cette équipe des Lions U17 du Cameroun. Avant de quitter le pays, on avait posé la question au coach Thomas Libi qui a bien voulu s'exprimer au micro de H-Foot. Écoutons le coach Thomas Libi et on vient commenter derrière. C'est comme ça parce que les autres équipes, comme je disais tantôt, ils ont des joueurs de haut niveau à 16 ans. Les gens qui jouent quand même au FC Barcelone, ça c'est pas donné. Les gens qui jouent en Angleterre dans des clubs nantis et qui se regroupent en principe 4 fois par semaine depuis un an, alors que nous on a commencé il y a quelques semaines. Donc ça ne sera pas du tout facile pour nous.
tout ce qu'on a à faire, c'est de continuer à travailler, c'est de se préparer dans une sérénité totale, c'est d'apporter le discours qu'il faut au Boca ou Gamer, c'est de tenir le capot et de pouvoir penser que le reste se fera avec le mental et la volonté. La suite du programme, tu dois quoi? Voilà, nous voyons ce soir déjà pour le Brésil, pour continuer notre préparation. Je crois que les choses vont dans le bon train. Donc voilà, on a quelques matchs amicaux, peut-être contre le Chili et le Japon, et peut-être le Brésil, et d'autres des donc on va continuer notre préparation tranquillement, je l'attends de tout le futur. Est-ce que vous avez pu récupérer les blessés, coach? On a beaucoup de blessés, on a vraiment beaucoup trop de blessés, on a même plus de la moitié de l'équipe blessée. Maintenant, on va se battre comme on pourra, avec le peu de moyens que nous avons. Quel est le groupe qui fait le déplacement? Est-ce qu'il y aura les binationaux, comme on a préalablement annoncé? Comment ça va se passer pour cette dernière ligne droite? Écoutez, là, on part avec 21 joueurs ce soir. Il y a 3 qui vont nous suivre pour faire 24. Et il y a 6 binationaux, en principe, qui devront jouer le 7. Est-ce que la mise en stage tardive de votre effectif ne posera pas de problème à ce moment-là? Voilà qui est bien dit par le coach Thomas Libi, qui a déjà disputé 2 matchs amicaux de ce côté du Brésil en remportant pas le même score, 3-1. Mais la dernière rencontre qui s'est disputée dans la nuit de mercredi dernier avec la victoire des Lions U17, 3-1, on a noté le but de Steve Mboué, le but du jeune Fosso qui évolue du côté de l'AS Roma, le but d'Etienne Eto'o. Pineda, comme il s'est fait appeler, d'aucuns se posaient la question sur l'arrivée de ces binationaux au niveau de cette année des Lions U17 du Cameroun, ce qu'on appelle communément le bizutage. Sébastien Djanakana le sait si bien, lorsqu'on est nouveau dans une tannée, on passe par là, on se présente, on dit d'où on vient, et le jeune Etienne Eto'o ou encore ses coéquipiers qui viennent de ce côté, qui sont appelés les binationaux, ont eu leur bizutage. Ils ont eu l'occasion de se présenter à l'endroit de leurs coéquipiers. Cette vidéo qui a été mise à notre disposition, on va suivre avec beaucoup d'attention ces jeunes et surtout Etienne Eto'o qui rassure ses coéquipiers en disant c'est pas, je ne suis pas arrivé, c'est parce que je suis le fils de Samuel Eto'o, je suis venu pour aider le groupe, je suis venu parce que je suis Camerounais. Écoutons sur cette vidéo amatrice qui nous est proposée par la réalisation. Qui est bien dit par Sébastien Djanakana, vous avez connu cela, vous avez joué avec les Lions, vous avez joué avec pratiquement toutes les catégories. Lorsqu'on écoute ces jeunes, lorsqu'on écoute surtout Etienne Eto'o, on se dit, voilà un enfant qui a la tête sur les épaules, surtout qu'il a été préparé pour le haut niveau. Oui, là, c'est un enfant qui a la tête sur les épaules, comme vous le dites. Ouais, même quand il parle, on sent que non, il est tranquille. Mais les séances de bizutage se font toujours. Chaque fois que vous êtes appelé la première fois, il y a toujours des séances de bizutage. Bon, après, il faut savoir s'acclimater avec le groupe. Et pour ces questions d'acclimatation, Frida, ces jeunes, on a vu Daniel Fosso, on a vu Etienne Eto'o qui ont commencé fort lors du dernier match amical. Ils se sont illustrés comme attaquants. L'autre peut évoluer attaquant milieu de couloir. Il est à la Roma. Etienne Eto'o vient d'Espagne. Tout d'abord, sur cette séance de visuage, est-ce que vous avez un mot à dire? Bon, c'est déjà bien de savoir avec qui on est et qu'est-ce que... par exemple, lorsque vous voyez Etienne Eto'o prendre la parole, il veut rassurer un peu ses camarades pour qu'ils ne le prennent pas
déjà parce comme qu'on a pratiquement tout dit hein, autour voilà. de sa convocation. Voilà, donc on a interrogé le décret de 2014, on a interrogé l'opportunité et bien d'autres. Donc, il sait qu'il a une certaine pression qui pèse sur ses épaules. Oui, il y a la pression et il commence à répondre positivement à cette pression avec le but qu'il a marqué hier. Ça permet encore de faciliter l'intégration dans le groupe parce qu'il faut dire que le groupe qui a gagné la CAN et l'UNIFAC, c'est un groupe qui se connaît déjà. Et donc, avec ces nouveaux qui arrivent, c'est important qu'ils fassent des choses qui démontrent qu'ils ont effectivement leur place dans ce groupe. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence avec les Bignans. Nous, on a commencé depuis. On sait que lorsque le coach Anatole Abbé remportait cette compétition, on avait des jeunes comme Ngal, comme Serge Ngal et bien d'autres. Guémon, Stéphane Bia, Alexandre Song, qui venaient de la diaspora. Effectivement, il est question de servir la nation. Et si on peut appeler tous les enfants, on ne va pas tirer sur les jeunes qui ont décidé d'aller pouvoir se former à l'extérieur et revenir jouer. Puisque, encore qu'il n'y a pas de football jeu au Cameroun, donc on ne va pas reprocher à certains d'aller pouvoir bien se former à l'extérieur. On dit qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Donc, est-ce qu'on doit réinterroger ce décret 2014 qui exige que les joueurs qui sont âgés de 15 et de 17 ans ne viennent que de la fédération, ou encore ceux qui sont licenciés au niveau de cette fédération camerounaise de football? Non, pour moi, je ne pense pas. On ne doit pas. Cette loi, il faut les... Surtout que la FIFA n'interdit pas. Oui, cette loi, pour moi, cette loi, il faut les mettre de côté. S'il y a des nationaux qui arrivent comme cela, je crois que ce n'est que bénéfique pour le Cameroun. Et ils reviennent encore, mais ils reviennent pour redonner une autre couleur à cette équipe. Donc, à dire que des lois, revoir les lois, tout ça, pour moi, non. Je dis non. Est-ce que ça a ça a pris cette allure, cette coloration, parce qu'il y a le fils d'Eto, il y a le fils de Bill Tchatodida. On a refusé de voir quand même qu'ils évoluent dans des grosses écuries du côté de l'étranger. Oui, c'est vrai qu'ils évoluent dans de grosses écuries, mais ce phénomène n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est cette loi-là vient un peu casser le rythme du jeu, c'est-à-dire pouvoir appeler tous les bras disponibles pour attacher le mec, comme on dit, au village. C'est-à-dire que s'il faut remporter, par exemple, la CAN des U17, on appelle tout le monde. S'il faut, par exemple, gagner cette Coupe du Monde qui arrive, on appelle tous ceux qui sont disponibles tant qu'ils sont camerounais. Ce n'est pas aujourd'hui que ce phénomène a commencé. Il est question de pouvoir... Si la France apprend qu'ils ont un joueur au Cameroun qui fait mal, ils ne vont pas hésiter à l'appeler. Pourquoi est-ce que nous, on doit gratifier les autres de nos joueurs qui sont susceptibles de nous aider? Voilà, qui est bien dit. En rappelant aussi Sébastien Dianakana, que le groupe a quand même pu perdre 3-4 ou encore à 5-4 parce que il n'y a que le Cameroun vient de remporter cette affaire devant le tribunal arbitral du sport. On a aperçu le directeur juridique de la fédération qui allait défendre le dossier du côté des Zurich. La fédération royale marocaine avait porté réserve sur certains joueurs qui n'avaient pas cet âge-là. Mais le TAS vient de donner raison au Cameroun. Donc on peut être conforté pour devoir préparer cette compétition comme on entend de le faire. À conforter, puisque si nous sommes déjà où nous en sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes déjà prêts pour cette Coupe du Monde. Donc on ne peut qu'être content pour cette nouvelle décision-là. Cette décision, elle est tout à fait logique, parce que lorsque vous regardiez même la morphologie de ces joueurs marocains-là, vous aviez du mal à croire qu'ils avaient c'est moins de 17 ans. Par contre, le casting, lui, il avait déjà été fait au niveau des joueurs camerounais. On avait suspendu 3 joueurs. Donc, le fait de porter réserve, c'était n'importe quoi. Et le TAS a carrément s'est rendu compte de ça. Donc, ça servait à rien. Puisque lorsque vous regardez les joueurs camerounais, ils ont tout à fait la tranche d'âge. Maintenant, on parle de cette préparation. 3-4 semaines avant le début, ou 3 semaines exactement, 4 semaines avant le début de la compétition, on se retrouve au Brésil pour s'acclimater. Ça va permettre aux jeunes de prendre un bon bol d'air, de bien préparer cette compétition. Oui, ça fait des mois que cette équipe se prépare. On a vu le tournoi à UEFA Assist en Turquie. C'est vrai que ce n'était pas évident avec les défaites, mais ça a permis quand même au groupe de se roder, et ça a permis au coach de voir les insuffisances qu'il est susceptible de combler avec les 6 qui arrivent. Parce que lorsque vous avez une équipe qui n'arrive pas à marquer et ceux qui arrivent sont des attaquants, ça fait plaisir et ça donne des solutions à ce jeu qui n'a pas vraiment déroulé du côté de la Turquie. Mais là, au Brésil, on voit qu'il y a des buts déjà et ça signifie que les petits plats sont déjà en train d'être mis dans les grains. Et on ne peut que souhaiter au coach une bonne Coupe du Monde. Une bonne Coupe du Monde, bien qu'il soit contesté, et lui qui a reçu pratiquement 6 demandes d'explication avant d'y arriver. Mais pourquoi autant de pression sur un entraîneur qui a gagné la CAN comme Libby Thomas sans champion au niveau du Cameroun?
Je crois que c'est ce qui se passe toujours au Cameroun. Nos frères, quand c'est ton frère qui est quelque part, ou c'est la jalousie ou la stupidité, je ne sais pas. Mais étant, comme il est toujours dit, je crois qu'il faut dire, faut tirer un grand coup de chapeau à mon grand frère Libby Thomas. Parce que tu sais ce qu'il a fait pour que cette équipe soit aujourd'hui comme elle est là. Donc je ne vais que lui souhaiter une bonne Coupe du Monde. On va lui souhaiter une bonne Coupe du Monde. Le 15 national, comme il se fait appeler par les intimes, le coach Libby Thomas qui subit autant de pression en espérant que d'un moment à l'autre, ils vont retrouver le meilleur sentiment. Mais il est de ce côté, bien qu'on n'ait pas officialisé sa nomination, Libby Thomas qui continue de bosser, qui travaille d'arrache-pied, qui prépare cette compétition du côté du Brésil. Il est en pleine phase d'acclimatation. On va parler d'une autre sélection. Ce sont les Lions U23 du Cameroun qui préparent la prochaine CAN qui démarre du 8 au 22 prochain du côté de l'Égypte. Le Cameroun loge dans la poule A en compagnie de l'Égypte, du Mali et du Cameroun et surtout du Ghana. Dans la poule B, on a le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Zambie. Actuellement, pour cette période de FIFA, les Lions U23 de Rigobert Song vont disputer deux matchs amicaux face au deuxième de la Hongrie, Medvedeva, une ancienne équipe dans laquelle a évolué Patrick Mevungu. On peut apercevoir sur l'écran de l'autre côté 35 joueurs ont été convoqués, bien que Pierre-Sylvain Abogo du Cameroun et bien et d'autres membres du staff technique n'ont pas pu faire le déplacement parce que n'ayant pas de visa. Frida, on parle, c'est quand même une bonne opportunité, on n'avait plus vu ça depuis les Lions U23 disputer des matchs amicaux à une période FIFA comme celle-ci. Effectivement, c'est une bonne opportunité et cette qualification même permet au Cameroun de pouvoir faire une sorte d'inventaire de ces jeunes joueurs qui postulent aussi pour qui frappent à la porte de l'équipe nationale A également parce que lorsque on a vu Ganago aujourd'hui chez les A, on a vu Simon Mossola chez les A, ça veut dire que oui, c'est l'entraîneur national jette quand même un coup d'œil. Oui, jette un coup d'œil et ça encourage aussi ceux qui n'ont pas été appelés chez les A parce que lorsque cette catégorie n'a pas pu faire de bonnes prestations il y a 2 ans, c'était compliqué. Les garçons étaient à l'arrêt, c'était vraiment compliqué. Mais ceux-là qui ont moins de 23 ans aujourd'hui et qui sont capables de se qualifier pour cette CAN et livrer les matchs internationaux, ça va leur permettre de prendre du volume en ce qui concerne leur capacité dans le jeu. Mais ça va également permettre au Cameroun de pouvoir préparer la CAN 2021 qui arrive. Surtout que beaucoup, on en aura véritablement besoin. Sébastien Diana, quand on parle de ces Lions U23, période FIFA, ils ont deux matchs amicaux face à deux clubs de première division du côté de la Hongrie. Une affaire de notre frère Jiebel qui était déjà dans ce studio, lui qui vit du côté de Londres. C'est quand même une bonne nouvelle, c'est la bienvenue. Oui, très bonne nouvelle, mais dommage aussi pour ceux qui sont au pays. S'ils sont parce que Pierre-Sylvain a beaucoup, par exemple, devait faire le déplacement. Parce que s'ils sont en Hongrie, il faut savoir que la plupart là, ou la plupart sont ceux qui jouent en Europe. Donc, c'est 35 joueurs sur les 35, pratiquement, et avec un seul qui évolue sur le terroir. On n'a pas pu obtenir le visa pour ce dernier parce que la FECAFOOT s'est pris star. Il s'agit de Pierre-Sylvain Abogo. On peut quand même regretter cela. Voilà, justement, c'est pour ça que je dis si ce stage se déroule aujourd'hui en Hongrie, c'est parce que ceux qui sont là-bas actuellement sont ceux qui jouent en Europe. Bon, ceux qui sont au Cameroun, on fait quoi? Est-ce que c'est une manière de tourner le dos au championnat camerounais, de dire qu'il ne faut plus avoir espoir? On ne peut pas aussi dire non. Ça fait depuis le championnat camerounais en arrêt. Si tu prends un joueur aujourd'hui pour aller faire un tournoi comme celui-là, il n'a rien dans les jambes. Il ne peut pas s'en sortir. Bien sûr qu'il y aura le temps d'adaptation et tout, mais ça ne sert à rien d'appeler maintenant un footballeur qui joue au pays pour aller rejoindre un groupe comme celui-là. On parle de cette CAN U23 qui démarre le 8 prochain du côté de l'Égypte. Frida, la poule du Cameroun, est-ce qu'on dira que c'est la poule de la mort? Avec l'Égypte, le Mali et le Ghana, les pays de football jeune, les pays qui ont une certaine culture de foot. Oui, effectivement, on peut considérer ça comme la poule de la mort, mais lorsque vous avez une compétition qui n'a que deux poules, les deux poules sont vraiment dangereuses parce que la poule B également n'est pas facile. On sait qu'en Afrique du Sud, que ce soit au Nigeria également, le foot jeune est très développé de ce côté-là. Côte d'Ivoire, la Zambie. Donc il va forcément falloir gagner les premiers matchs pour sortir victorieux de cette poule. On a vu les Égyptiens déjà, ils n'ont pas bien géré la coupe d'Afrique senior, donc il est question pour eux de se rattraper au niveau des U23. Et les U23 chez eux, c'est des messieurs, c'est des costauds. On a vu la Tunisie ici, ce sont des immeubles, ils sont tellement immenses et costauds
que, mais le Lyon reste indomptable. Est-ce qu'on va vers, lorsqu'on jette un coup d'œil, est-ce qu'on, sur la configuration, par exemple, du Cameroun, est-ce qu'on va vers une CAN avec 25 professionnels ou encore 20 professionnels avec 3 gardiens, qui, une vingtaine de joueurs professionnels qui viennent de l'étranger, surtout que le championnat, on n'aura même pas encore disputé 2 à 3 journées du championnat. Et je crois que tel que c'est parti, c'est comme vous le dites, on va aller... Parce qu'il y a un stage qui est annoncé dans les prochains jours du côté de la Turquie, et c'est une autre liste de professionnels qui a été déposée à la Fédération Camerounaise de football. Oui, là maintenant, on ne peut que pleurer. Hein. C'est une là maintenant, ça, c'est... la faute est à nous. Parce que pour pouvoir relancer un championnat, fait 4 mois après pour relancer un championnat, si jusqu'à là, si on ne peut pas vraiment. C'est dommage pour mes jeunes frères. Bon, on ne peut qu'avoir nos yeux que pour pleurer. On peut vous comprendre parce que vous avez longtemps évolué au Cameroun, vous avez tout donné au niveau du Cameroun et que vous voyez des sélections comme celle-là sans les joueurs du tiroir, ça devient très compliqué. Et en plus que nous, quand on était aux espoirs, c'était 7 joueurs amateurs, hein, croix professionnels. Donc quand on appelait les croix professionnels, c'était les 70, joueurs plus. Soit c'est Eric Njemba, Atuba Timothée, soit Mouka, c'était comme ça, ce n'était pas... 90% professionnels et qu'est-ce qui justifie cela aujourd'hui? Justement, comme on l'a dit dès le départ, le football aussi au Cameroun est en train de chuter. Ça, pour ça, il ne faut pas se le tromper. Il faut dire des vérités. Au lieu de faire hausser le championnat, on est en train de descendre. Et vraiment, la pente... Parce qu'on sait qu'à votre époque, on ne regardait même pas les professionnels. On sait que les joueurs venaient de Canon, venaient de Coton, venaient des As de l'Union de Douala et ça faisait une bonne ossature avec Ntungumpili et bien d'autres. Voilà, et Jean-Paul Lacourno qui était déjà dans ce studio la semaine dernière. Oui, c'était un peu ça. Il y avait des très bonnes équipes et les joueurs étaient vraiment des très bons joueurs et matures. Un joueur de Coton, un joueur de As ne pouvait pas envier un joueur de Coton Sport. Ou alors un joueur de Canon ne pouvait pas envier un joueur de Coton Sport. Il y avait aussi les moyens. Les moyens, les joueurs, les clubs ne voyageaient qu'en avion. Mais aujourd'hui, même pour prendre le train, c'est tout un problème. Frida, qu'est-ce qu'il faut préconiser pour sortir de là? Parce que voilà un témoin oculaire qui en parle. Ils ont signé, ils avaient les 7 millions à la signature dans Coton, les 500 000 n'enviaient même pas les professionnels à un moment. Mais aujourd'hui, on se retrouve véritablement en difficulté où c'est à peine qu'on donne 50 000 à un joueur qui est volé en élite. Oui, comme le coach Njana l'a dit, nous sommes en train de reculer. On a même déjà touché le fond parce que. C'est un peu regrettable qu'on soit arrivé là. Le football, c'est le football qui paye le prix des intérêts égoïstes. Parce que lorsqu'on essaie de voir la guerre qui se passe maintenant avec la FECA Foot et la Ligue, un championnat qui aurait dû commencer depuis n'a toujours pas commencé. Et on a vu ces jeunes U23 qui avaient été convoqués pour les matchs de qualification et tout. Lorsque vous êtes balayés comme ça, lorsqu'il s'agit de la compétition, c'est regrettable. C'est vrai, le championnat ne se joue pas, mais ce n'est pas leur faute. Et ils viennent payer le prix de ce qu'ils ne savent même pas. C'est compliqué. Vivement que ce football renaisse et qu'on recommence à voir les stades pleins et des derbies bien animés. On va parler de cette compétition qui se passera à la maison. Il s'agit du CHAN 2019 et ce sera, ou encore 2020, ce sera, on attend toujours la confirmation de la Confédération, on tient aux dernières dates de janvier 2020, mais qu'à cela ne tienne, l'entraîneur est déjà sur le terrain, il s'agit du coach Yves Clément Arouga, qui, il y a une image qui a fait le tour de la toile, il était en début de semaine dernière à Douala sous une pluie diluvienne, il a suivi les entraînements de Bambutos de Mbouda, on l'a aperçu, il y a quelques jours, au stade des sapeurs-pompiers d'Imbomano, au centre technique de la Fédération Camerounaise de football, il a signé son contrat vendredi dernier, ainsi que ses adjoints Sango Nouvel-Bosso, Mamoun et le coach Asimba. On va dire, du côté du ministère, on prend déjà la situation à bras le corps en contractualisant ces entraîneurs de ces sélections nationales. Oui, effectivement, c'est ce genre de coach qu'on aurait souhaité depuis, parce que il n'attend pas le championnat, il commence déjà à superviser les entraînements, puisqu'on sait que c'est aux entraînements généralement que les joueurs se donnent à fond pour pouvoir être sélectionnés pour les championnats. Le championnat tarde à commencer, ça commence au 18, on espère que ça va commencer effectivement. Mais le coach, lui, travaille déjà. Et si on avait également un coach comme ça au niveau de la sélection A, je crois qu'on aurait ressorti des talents rares que, comme les coachs précédents avaient fait, les Claude Leroy. C'est important d'aller dans les tréfonds, d'aller suivre les joueurs. Parce que le précédent coach, Sidor, il n'y a pas de joueur au Cameroun. Ces joueurs, ces Lyon à prime du Cameroun, est-ce que ça peut
avec le passage du coach Yves Clément à Rouga, est-ce que ça peut booster, est-ce que ça peut transcender, surtout qu'on s'est cassé niveau, les joueurs viendront du terroir pour disputer cette compétition? Bien sûr, puisque les joueurs savent déjà que désormais, il fait la campagne, c'est-à-dire il n'annonce pas son arrivée. Il arrive, il peut... D'une manière spontanée. Il peut arriver spontanément, voir les entraînements du canon, donc ça va pousser les joueurs à se donner à fond. Et ça va également aider les coachs à faire un bon casting en ce qui concerne la production même des licences des joueurs, en ce qui concerne l'effectif qui doit être retenu, parce que les joueurs vont se donner à fond, sachant qu'il y a quelqu'un posté quelque part qui est là, qui regarde les matchs pour pouvoir trouver la perle rare. Et si, bon, je reviens sur ça malheureusement, pour dire que si on avait par exemple eu un coach camerounais au niveau des A, on aurait également trouvé cette perle rare, parce qu'il aurait fait le tour de tout le territoire camerounais pour pouvoir sortir des joueurs qu'on n'aurait pas imaginé, parce que le coach ne regarde pas le joueur qui produit peut-être de bons résultats, mais il regarde les potentiels qu'il est capable de développer. Sébastien Djanakana, vous avez évolué à ce niveau de la compétition dans ces différentes sélections nationales, et que Yves Clément Rouga qui revient d'Espagne comme ça et qu'on le retrouve au stade de Nguaïkélé, au stade de la réification de Bipanda, au stade Cité Sicam, au stade des sapeurs-pompiers de Nimboman, ça peut quand même être un élément galvanisateur pour ces jeunes qui aspirent à disputer ce champ au mois de janvier prochain. Je crois que c'est une très bonne chose déjà, parce que c'est un dur chantier, mais elle a pris le taureau par les cornes, comme on le dit. Parce que même Tungu, c'est la même chose que le Kon Tungu le faisait. Ici, on est même les championnats de vacances, parce que dans les championnats de vacances, il y a des très bons joueurs. Et ces joueurs, parfois, qui refusent d'aller jouer les championnats, reviennent souvent jouer les championnats de vacances. Donc, comme il y a aussi les tournois qui se discutent là, je crois actuellement, il y a un qui se discute ailleurs, le tournoi de l'amitié, comme Madou. Le tournoi de l'amitié, ouais, avec 8 équipes. Oui, je crois que c'est une très bonne chose. Et il était là, il a suivi le match, par exemple, la Dream Team de Kounou contre AS Étoile Miki. C'est un tournoi qui est organisé par les entraîneurs d'élite au niveau du Cameroun, la Dream Team de Kounou, avec des joueurs comme Amougui qui était à UMS de Loum, avec des joueurs d'élite qu'on connaît. On peut apercevoir le coach Monté et des Toi Miki de ce côté, que Patatras, l'entraîneur des Lions à Primarif. Ça change quelque chose à la donne. On a vu ce match début de partout, c'est l'issue de la rencontre. Alors qu'en levée des rideaux, c'est la formation, la Dream Team des Toudji qui avait pris le dessus sur ASFAP. ASFAP qui est engagé en championnat et dit tout pour la nouvelle saison qui démarre. Oui, c'est comme je vous l'ai dit, cette Dream Team aujourd'hui, ce sont des clubs, des joueurs d'élite. Qui cherche les clubs. Constitue ces Dream Team. On a vu ça, Joe. Vous savez comment on les dérange dans les clubs d'élite. Parce qu'au Cameroun, quand tu joues 2 ans, 3 ans, on dit que tu es vieux. On ne te respecte plus. Donc ces joueurs sont obligés d'aller dans les Dream Team. Et les Dream Team après se réversent dans les clubs de région comme un peu le club France Fanon. Le France Fanon, parce que là, au moins le président, tu peux avoir un problème de 100 000, tu le soumets au président, le président t'aide. Ou alors ils ont souvent des petits voyages un peu... Mais on constate aujourd'hui que de plus en plus, ces clubs de 3e division, de 2e division, c'est eux qui arrachent les légumes, c'est eux qui arrachent les joueurs qu'on dit, les joueurs d'élite. Oui. Ça commence à être compliqué pour le championnat lui-même, parce que c'est avec des jeunes, c'est avec des joueurs moins mature qu'on est appelé à disputer le championnat d'élite. Tu vois un peu, toi tu contournes, tu fais le contour des stades comme je l'ai dit. Donc tu vois même ces clubs des régions, vous voyez même leurs équipements. Vous voyez les équipements, vous voyez, les gens prennent vraiment du temps pour que leur club soit bien habillé, bien vu. Et ils ont des partenariats un peu partout en Europe ou en Asie. Donc ces joueurs préfèrent maintenant venir jouer dans ces clubs-là. Je le dis encore aujourd'hui, 70% des meilleurs joueurs du Cameroun sont au quartier. Comment ça? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ça, c'est une révélation. Comme je l'ai dit tantôt, les présidents ne respectent pas les joueurs, ni les contrats. Par contre, si le contrat, on ne connaît même pas ce qu'on a signé, on n'a même pas la copie. Et je le dis toujours, moi j'ai été membre SINAFOC, j'ai été même délégué régional au moment du Nord. Je dis toujours, un contrat se fait en 5 exemplaires. Le jour où tu fais ton contrat, demande ton contrat. Tu ne peux pas signer un contrat, une personne te dit bon, signe, tu finis d'écrire, t'écris, il prend 500 000, il te donne, après tu tournes le dos, tu pars. Un an après, tu reviens, on te dit que hey, tu avais signé 5 ans. Toi, tu dis non, j'avais signé 2 ans. Donc, quand tu signes ton contrat, c'est à 5 exemplaires. Là, tu demandes ton exemplaire, tu rentres avec. Si tu veux, tu fais une découpille avant qu'on aille les légaliser, soit à la FIDE ou à la Ligue ou au ministère, je ne sais pas quoi. Donc, je dis aux joueurs vraiment, je tire encore leur attention aujourd'hui. Quand tu signes ton contrat, c'est en 5 exemplaires. Je parle des joueurs d'élite ou en élite, tout. Il faut le faire parce que les joueurs souffrent, comme je l'ai dit tantôt. Les joueurs souffrent vraiment. Et Frida,
Ça, c'est des révélations très graves. 70% sont au quartier parce que soit les clubs ne respectent pas les engagements, soit certains clubs sont virés en connivence avec certaines personnes à la fédération ou ont fait signer des contrats kilométriques. Aujourd'hui, il faut faire la lumière à ce niveau et le SINAFOC est interpellé. Oui, j'espère que le SINAFOC, ils ont déjà, je crois, 2 ans d'existence ou 1 an et demi. Non, beaucoup d'années. Plus. Voilà. C'est depuis le président Mayebi. Depuis Mayebi. Voilà, j'espère que. Jérémy dit, t'as pas simplement hérité de ces SINAFOC. Ils vont continuer de mettre la pression pour que les choses changent. On se souvient que même en ce qui concerne les salaires, c'est eux qui ont essayé de déblayer la route pour que les choses puissent bouger. Jusqu'aujourd'hui, on espère que cette pluie-là va tomber aussi du côté du football féminin. Mais en ce qui concerne les joueurs, c'est beaucoup plus le découragement. Lorsque vous faites du surplace chaque année, sans évoluer en ce qui concerne votre jeu, votre encadrement et les finances, vous vous fatiguez, vous vous dites « j'arrête ». Vous voyez, le phénomène des 2-0 a pris l'ampleur dans les quartiers. Il y a beaucoup de jeunes qui se reversent dans les 2-0. On dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans les 2-0? On lui dit, bon, tu n'as pas 40 ans. Il y a ceux même qui prient pour que 40 ans arrivent vite et qu'il soit accepté dans le 2-0 parce qu'il est mieux traité là-bas. Il est pris en considération. Il faudrait que les relations entre les présidents, en tout cas l'encadrement et les joueurs, puissent s'améliorer. Parce que le joueur est celui-là qui fait vivre l'entreprise club. Parce que s'il n'y a pas le joueur, le club ne peut pas. N'existe pas. Donc il faudrait. Le président de la FECAFOOT a dit qu'ils vont remettre. Ils vont mettre un accent sur la formation. Il faut former les présidents de club. Il faut former les dirigeants de club pour qu'ils sachent exactement quelle est la valeur des joueurs qu'ils ont. Parce que s'ils ont une valeur marchande, c'est grâce à ces joueurs-là qu'ils ont dans leurs effectifs. Et par rapport à ce Chan qui arrive, comment le coach doit s'y prendre? Surtout, mais aujourd'hui, peut-être un mot. Il a signé son contrat avec le ministère des Sports, avec la fédération, Yves Clément Aroga, et ainsi que toute sa suite. Mais on se pose la question, est-ce que Sangon Noumé Bosso va continuer à officier sur le banc de Coton Sport maintenant qu'il est contractualisé par l'État du Cameroun? C'est déjà bien d'avoir des assurances venant du ministère parce que lorsque vous travaillez de manière clandestine, on a vu par exemple la sortie de Jean-Alain Boumson qui est venu parler après. Qui n'avait pas de contrat, qui n'avait pas de contrat sur quelle base il travaillait. Vous ne vous donnez pas à fond. Mais lorsque vous êtes déjà titularisé, ça vous permet d'entamer de grands chantiers parce que lorsque vous êtes clandestin, vous vous dites « je vais me commencer une affaire qui va me s'arrêter, je ne sais même pas, je peux me réveiller demain, je ne suis même plus là ». Pourtant, lorsque vous voyez le coach Aroga travailler, il travaille comme quelqu'un qui est en train de mettre sur pied une stratégie de recrutement et après, il va entamer les stratégies de jeu. Donc, on se dit, c'est une construction qui est en train de commencer. Les piliers, à première vue, sont solides. On espère qu'il va pouvoir trouver les perles rares qu'il recherche. Ndjanakana, est-ce que le ministre Narcisse Molekombi est en train de vouloir résoudre l'épineux problème du statut de l'entraîneur national au niveau du Cameroun? Je crois que c'est ce qu'il est en train de vouloir faire et ça ne peut être bénéfique pour nos entraîneurs. Donc je crois que c'est une très bonne chose. C'est évidemment une très bonne chose. Ouais, avant qu'on ne traverse le niveau du ministère des Sports, nous sommes quand même des journalistes. On sait qu'à une certaine époque, il y avait quand même des team press dans ces différentes équipes. Par exemple, oui, vous nous prenez là-bas le bon. Il y a ces Lyon U23 du Cameroun qui n'ont pas de communicateur. Voilà. Et il y a que, en ce moment, Jean-Jacques Mouandjo au Brésil avec les Lyon U17, que le Selcom de la FECAFOOT et avec les Lyon notables du Cameroun. On annonce au démarrage du championnat demain, il n'y a personne pour communiquer. Voilà, et le président Tombi avait bien vu, il a mis les team press, il a mis les team managers aujourd'hui. On a pratiquement balayé cela de la main. Ça s'impose à nouveau parce oui, que, par exemple, les Gobert sont abandonnés dans son stage. Effectivement, on n'a pas d'informations sur les arrivées, sur comment ça se passe. Et tout. On ne sait même pas qui est là-bas. C'est peut-être un joueur ou le coach ou je ne sais pas, le docteur. Nous, on prend l'exemple, c'est l'organisateur du match qui nous met certaines informations à notre disposition qu'on a cet entre-genre. Effectivement, je reviens dessus pour essayer de voir si le. On a chez les Lyons U20 et les autres. Oui, et nous, on a été formés par l'ANAFOOT. Effectivement, nous sommes formés, nous avons nos parchemins. Si le ministre des Sports peut essayer de résoudre ce problème-là, parce que lorsque vous êtes journaliste sportif, il serait aussi bien qu'à des moments, vous soyez au contact de ces équipes-là pour essayer
de vous améliorer, puisque avant que ce poste-là ne soit rayé complètement, les teams et qui doit même normalement exister. Oui, les teams demandaient d'avoir des salaires fixes ou alors des primes fixes comme les autres parce qu'ils font le même temps de stage, le même travail et tout, mais ils n'étaient pas valorisés. On leur donnait juste de l'argent à main levée. Il était question de l'être. Le dépannage, comme on dit souvent. Ce poste a carrément été rayé, mais maintenant on se rend compte que c'est un problème. La communication, elle est primordiale dans une sélection nationale, Sébastien Diagne. La communication est primordiale. Je crois que elle est très, très importante. Mais comment elle est négligée du côté de la fédération? Parce qu'à un moment, on se pose les questions. On a 2 à 3 personnes qui travaillent là, mais ils ne peuvent pas tenir sur 11 sélections nationales. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Au lieu d'avancer, nous, on recule. Il y a de cela croisant aujourd'hui, il y avait les team managers, comme vous le dites. Il y avait les team press, tout ça. Mais si aujourd'hui, on en a plus. Mais à la FECAFOOT, on parle de tout, on oublie le côté de la communication de ces sélections nationales. Ouais, plus ces gens, ils sont aussi, comme je dis, c'est des gens qui ne pensent qu'à eux. Qui ne pensent qu'à eux. Le reste, ils s'en foutent. Avançons, on va parler de ces lions indomptables du Cameroun, les lions indomptables du Cameroun qui, malgré la difficulté, on s'est fait peur du côté de la RDC, du côté du stade Tata Raphaël, mais finalement, grâce à une chute Ndioya Diarra des grands jours qui revient au sommet de son art, a permis au Cameroun de repartir avec ce but à la 80e minute, avec la qualification pour le 4e et dernier tour. Le Cameroun devra croiser la Côte d'Ivoire qui a surpris à ce niveau, la formation du Nigeria. Marina Kogvina, notre consoeur, s'est planchée cette qualification du Cameroun. On suit ce reportage, on se retrouve derrière. Pour le 3e tour qualificatif des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, malgré l'avance de 2-0 des Lions indomptables contre la République démocratique du Congo à la cuvette de Fandina mardi dernier, celles se sont fait peur ce jour lors des 45 premières minutes de jeu au stade des Martyrs à Kinshasa. Rattrapés au score par les Léopards de la République démocratique du Congo, les Polish d'Alem Diomfa sont dominés lors de la première mi-temps sur le score de 2-0. Tout était à refaire pour les deux protagonistes. Remplacement, recommandation, consigne était de mise à l'entame de la deuxième période où l'équipe du Cameroun alliait action après action. Un match retour très compliqué pour les Lions indomptables qui ont été poussés dans leur dernier retranchement, tout comme le Nigeria, mais n'a pas capitulé. À une vingtaine de minutes de la fin de la partie, Chuka Diarra rectifie le tir en inscrivant l'unique but de la partie côté camerounais. Réalisation permettant ainsi au Cameroun d'obtenir son ticket pour le tour prochain. À cette 4e phase, les Lions affrontent les éléphants de Côte d'Ivoire, tombeuses et nonuples champions d'Afrique en titre, le Nigeria. Bien dit par notre consoeur Marina Kogvina. Un mot sur cette rencontre, vous avez suivi de bout en bout ce match. On a failli se faire peur après avoir mené 2-0 à l'aller. On a suivi par exemple Raissa Fedjou qui n'a pas disputé le match aller, qui disait déjà on part finir le travail. Mais là, le travail, la finition a été très difficile. Ah oui, on s'est même fait peur à un moment. Elle était très difficile. On a eu des sueurs chaudes à Yaoundé, mais une fois à Kinshasa, on a eu des sueurs froides. Parce qu'on a quelque peu négligé l'adversaire. On se disait qu'on part finir un travail de la manière la plus facile possible. Mais là, on s'est mis en difficulté. On a subi carrément toute la rencontre. Et heureusement, Ndioya Diarra a montré qu'elle est le leader technique de cette équipe. Et elle a fait ce qu'elle sait faire, inscrire ce but-là qui propulse le Cameroun au 4e tour. Est-ce qu'on aura autant de chance à chaque fois? On ne sait pas, mais on espère que le coach, qui lui est un technicien affirmé, va pouvoir trouver des moyens et surtout le discours. Parce que toutes ces filles savent jouer. On ne va pas à l'équipe nationale apprendre à jouer. On va juste pour trouver la mayonnaise, pour pouvoir jouer ensemble. J'espère qu'il va trouver les mots pour pouvoir nous présenter une face meilleure ici à Yaoundé et puis à Abidjan. Et cette transition-là qui est en train de se faire à l'équipe nationale, on sait qu'on a eu l'époque d'Enganamout, on a eu l'époque d'Abou Diongene. Maintenant, est-ce qu'on peut dire c'est l'époque de Ndioya Diarra qu'il a encore démontré il y a quelques jours du côté de la RDC? Je crois que depuis un certain temps, ce n'est qu'on ne parle que de shooter Ndioya Diarra depuis la Coupe du Monde et même en club. Je crois qu'elle ne fait que but sur but. Et c'est une très bonne chose. Le match de l'autre jour au stade des Martyrs à Kinshasa, il fallait une qualification. Bon, je crois que pour un coach, ce n'est qu'une bonne chose pour cette qualification-là. Parlons un peu, on voit en image là-bas, en Gondom, Annette et le coach Alain Diemfa. Il faut peut-être reconstruire à ce niveau, il faut commencer à penser à autre chose. On a vu les Indiana Colette qui sont entrées, les Bingono Catherine, les filles comme Alexandra Ngolo Takunda. Il faut commencer à penser.
Oui, effectivement, la construction, elle est lancée. Quel que soit le temps que ça va prendre, elle sera achevée. Et le coach hésite encore à la lancer au niveau des buts. Mais on a vu le premier but que le Cameroun prend contre le Congo. C'est une mauvaise appréciation de la gardienne. Elle fait une mauvaise sortie. Et puis, le Cameroun prend ce but-là qui vient un peu donner l'envie à la RDC d'ajouter le deuxième. Peut-être qu'elle se dit qu'il n'y a pas assez de concurrence. On ne l'inquiète pas assez. Parce que lorsque vous êtes footballeur, lorsque vous êtes un sportif, on doit vous inquiéter de temps en temps pour que vous compreniez que vous n'avez pas la chance gardée de ce poste et qu'il est possible qu'un jour, quelqu'un fasse mieux. Mais là, on ne donne pas la chance aux autres. Elles finissent toujours les stages, elles vont aux compétitions, elles reviennent, c'est toujours la même qui joue. À un moment, ça a un effet décourageant. Et ces jeunes qui sont là, on a vu, il y a des jeunes, des U20, les Baou Ange, les Carole Mimboué qui a signé en Espagne il y a quelques semaines. Jours. On a la jeune Marina Issé qui est là, on a Omaran Marthe, elles sont nombreuses. Il faudrait qu'on crée la compétition du challenge dans ces goals pour que Ngondom se donne encore à fond. Si elle n'a plus à donner, qu'on puisse la remplacer. Contre la Côte d'Ivoire, il faudra monter d'un cran parce que la Côte d'Ivoire vient de sortir le champion d'Afrique en titre. Oui, je crois monter d'un cran, comme vous le dites. Ils ont pu faire sortir le Nigeria. Le Nigeria. Donc maintenant, il faudrait doubler d'ardeur au travail. Il faut doubler d'ardeur au travail, c'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter face à cette formation de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a essayé à plusieurs reprises. Déjà, il ne faut pas oublier qu'elles nous ont inquiétés avant la Coupe du Monde. On a fait un 2-2 là-bas. Elles annonçaient déjà la couleur de leur match de qualification pour les Jeux Olympiques. Ça signifie que... Parce que lorsqu'on regarde l'effectif qui a joué contre la Côte d'Ivoire, l'effectif du Nigeria, on se rend compte qu'il y a une reconstruction qui est aussi entamée de ce côté-là avec le nouveau sélectionneur qui est arrivé. Donc la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le Nigeria, on va dire que c'est une défaite pour un bien parce que ces jeunes qui arrivent ont appris. Mais ici, chez nous, on est encore en train d'hésiter à faire ces changements-là. Donc il va falloir faire attention à cette équipe du Nigeria contre laquelle on a joué avant la Coupe du Monde, puisqu'on avait fait un 2-2. Ça signifie qu'elles ont joué. Ça veut dire qu'elles connaissent déjà Aboudi, elles connaissent Adjara, elles connaissent Djanga, elles connaissent. Donc il est question de faire... d'ajouter un peu de jeûne à tout ça. Vous voyez, la dernière fois, contre la RDC, lorsque Djanga est sorti, Bongondo est entré, on a vu comment ce trou-là s'est fermé, parce que c'était vraiment un trou qui s'est refermé, et le Cameroun s'est mis à jouer, d'où le but. Comme Mambo Lambo aujourd'hui du côté d'Espagne et bien d'autres. Il faut oui, aussi effectivement, entamer le chantier de défense. On a l'Encada, on a Mambo. Il faudrait oser. Du côté du Minx, il y a une Camerounaise du côté du Minx qui fait beaucoup de bien de ce côté, pratiquement la seule qui est restée. Oui. Mais pourquoi on ne la retrouve pas en sélection nationale aujourd'hui, Alvin Djolet, on ne sait pas. En fait, le Cameroun, on est en train de reculer. C'est-à-dire que lorsque les gens ont leur titre foncier à leur poste, on refuse de sentir qui que ce soit susceptible de venir menacer tel ou tel. Lorsque vous voyez... et Djanga jouer, on sent que l'âge commence à peser et à un moment, il faut soit la faire challenger pour qu'elle sente qu'elle doit encore se donner, soit si elle ne peut plus se surpasser, qu'elle soit remplacée par plus jeune. On a des jeunes filles, on a par exemple un milieu de terrain, on a vu Raïssa Feudieu en pleine souffrance parce qu'elle a pris des kilos. Pourtant le coach, sur la base d'abord, est préparateur physique. Il est capable de pouvoir empêcher ces prises de kilos. Mais elle évolue encore. Elle évolue du côté d'Espagne. Oui, elle évolue du côté de l'Espagne, mais... mais elle aussi, on doit pouvoir apprendre à jouer avec Raïssa Feudieu sur le banc, parce qu'on a vu un milieu de terrain à trois dernièrement. Il y a des filles comme... Claudia Dabda, qui arrive elle, là. Elle est assise là sur le banc. La porte. Il y a des filles comme celle qui évolue à Louvre Mipro, Fabina Catherine. Il y a des filles comme Gombelec. Il y a des filles comme Meyongmene Nechal. Charlène, oui, il y en a des pièces de rechange dans ce milieu. Il est possible de titiller ces filles pour qu'elles continuent de donner le meilleur. On n'est pas à l'équipe nationale pour se reposer. On est là parce qu'on est les meilleurs. Le meilleur de tout un pays. Ça veut dire que si on est le meilleur de tout un pays, on doit pouvoir faire le travail que ceux qu'on a laissés ne sont pas capables de faire. Mais s'il y a mieux, il faut essayer. Puisque la Côte d'Ivoire, elle sent qu'elle est proche du but. Et c'est une occasion pour cette équipe-là de briller pour une fois. On a éliminé le Nigeria, qui est champion d'Afrique. Pourquoi pas le vice-champion? Donc, elles ne vont pas venir s'amuser. Et on a vu, ce sont des jeunes. Elles ne sont pas venues s'amuser. Donc, il va falloir vraiment qu'on fasse attention. Et je crois que le coach
est déjà en train de travailler dans ce sens-là. Le coach est déjà en train de travailler dans ce sens. On parle des Lions indomptables du Cameroun pour cette période FIFA qui croiseront la formation de la Tunisie, mais déjà beaucoup de blessés. L'entraîneur, sélectionneur vient d'arriver au Cameroun, il a été installé, vendu dans nos ministères des Sports. Notre consoeur Marina Kogvina s'est planchée sur sa feuille de route qui lui a été consignée par le ministère des Sports et Éducation physique. Suivons tout d'abord ce premier reportage avant d'interroger la liste des 23 joueurs convoqués par l'entraîneur sélectionneur Antonio Conceição. On prend ce reportage de Marina Kogvina sur la signature du coach et on se retrouve derrière. Une mayonnaise d'instruction présentée ce jour au nouveau coach des Lions indomptables du Cameroun à la salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Dirigeants des sports, cadres au MINSEP, hommes de médias, sportifs et fans sont venus nombreux assister à la signature du contrat associé à l'installation d'Anthony Conceição et de ses différents adjoints François Omambik et Jacques Songou. Le patron des sports, Narcisse Mouelle-Kombi, n'a sans cesse durant toute la cérémonie égrené le chapelet du cahier de chat du nouveau staff de l'équipe Fagnon du Cameroun. De qualifier le Cameroun à la phase finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. D'améliorer le rang du Cameroun dans le classement FIFA et de s'assurer particulièrement pendant la durée d'exécution du présent contrat que le Cameroun améliore considérablement son rang au niveau africain. D'améliorer substantiellement la qualité du jeu produit par les Lions indomptables en termes d'efficacité. De veiller scrupuleusement à l'observance d'une discipline de groupe au sein de la sélection nationale Fagnon de football sur la base du code éthique et déontologique, d'assurer de manière transparente une gestion équitable et saine des effectifs de la sélection, de procéder à la détection des talents en liaison avec la direction technique nationale. Leur mission prioritaire est de redonner confiance, réconfort, joie et fierté au peuple camerounais. Choisi sur une liste d'une trentaine de candidatures, le promu du jour aura entre autres obligations de séjourner en terre camerounaise. 2 années, telle est la durée du contrat du nouvel homme fort des Lions indomptables pendant lesquelles il aura cette lourde mission de redorer le blason du football camerounais sur la scène continentale. Pour ce faire, il s'appuie sur 5 idéaux. La sélection, elle est ouverte à tous les joueurs qui viennent avec la mentalité, parce que lui, il a 5 piliers pour que l'équipe fonctionne et que les joueurs, il faut qu'ils viennent avec la mentalité et qu'ils sont disponibles à venir pour représenter le pays. Rigor, la rigueur, respect, le respect, discipline, 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 discipline. Il répète, discipline, c'est très important pour lui. Ambição, ganhar, conquistar. L'ambition de gagner. E honra para representar a seleção dos camaradas. Honra. E l'honneur de quoi? L'honneur de mettre le maillot des Lions indomptables, ça se mérite. Le premier objectif en tant que sélectionneur, c'est de sensibiliser les joueurs qui viennent représenter les Lions indomptables, qui viennent avec honneur et orgueil. Officialisé, place désormais à la pratique sur le terrain. Voilà qui est bien dit par Marina Kogvina, l'entraîneur sélectionneur qui a reçu sa feuille de route, l'entraîneur qui veut s'appuyer sur ses 5 piliers. Il a rappelé surtout, il met une insistance sur la discipline en rappelant qu'il a fait une prise en main depuis lundi dernier du côté de Tunis où les loges de Lions indomptables du Cameroun. On n'a pas moins de 7 blessés sur cette liste convoquée par le coach Antonio Conceição. Une fois de plus, notre consoeur Marina Kogvina s'est pliée sur cette liste et fait le point. Et on se retrouve derrière. 72 heures après l'installation du nouveau staff technique de l'équipe nationale de football du Cameroun, Antonio Conceição da Silva et compagnie débutent ce jour le stage en prélude au match amical du 12 octobre contre la Tunisie. Fraîchement établis, les dirigeants de l'équipe Fagnon du Cameroun sont d'ores et déjà à Rades, attendant les joueurs dont les arrivées sont prévues ce jour. Contre les Aigles de Qatar, le tacticien portugais sélectionne 29 joueurs, dont 23 seront retenus pour livrer cette rencontre amicale internationale entre Camerounais et Tunisiens. La discipline étant l'un des éléments forts sur lesquels le code des Lions fait asseoir sa politique de gérance, tous les joueurs professionnels ou locaux, bannis ou non, le devoir de mettre cela en exergue s'ils désirent représenter les couleurs du Cameroun sur l'air Conceição. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, les portes sont ouvertes à tous les joueurs camerounais qui sont susceptibles de représenter au mieux les Lions indomptables. Dites des principes que vous avez dans les 5 piliers qu'il vient de dire, qu'il nous a dit tout à l'heure. Discipline, rigueur,
Vir à seleção de volta, reafirmar, vir à seleção dos Camarões não tem a ver com questões de dinheiro, tem a ver com questões de orgulho, paixão. Quem quiser vir, vai. Quem não quiser, não vai. Les joueurs qui veulent représenter les Indomptables, ça n'a. Il ne faut pas qu'ils voient ça comme pour venir pour de l'argent. Il faut qu'ils reviennent pour l'orgueil et représenter leur peuple et leur famille. C'est ce qu'ils veulent. Que les joueurs comprennent que ça se mérite de jouer chez les Lions Indomptables. Comparé aux autres entraîneurs qu'a connu le Cameroun, c'est un homme qui entre en scène dans quelques jours. Sortie durant laquelle ses choix tactiques seront jugés au doigt et à l'être, non seulement par ses employeurs et bien plus par les millions de Camerounais fans des Lions Indomptables. Voilà qui est bien dit par notre consoeur Marina Kogvina. On commence par vous, Fluide Angonola, installation du coach Antonio Conceição. On va dire un staff obèse, mais à côté de cela, déjà beaucoup de blessés. Il y a le capitaine Eric Maxime Choupo-Moting, il y a Jean-Pierre Samé, il y a Moumi Ngamaleu et bien d'autres. Finalement, ce sont les réservistes qui se retrouvent dans cette tanière des Lions Indomptables du Cameroun du côté de la Tunisie. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés, mais le malheur des uns fera certainement le bonheur des autres. Il y a certains joueurs qui ont plusieurs années flirté avec l'équipe nationale, mais qu'on n'a pas retenu. C'est-à-dire leur nom, même lorsqu'on vous rappelle, ça vous dit rien. Donc ceux-là, qui généralement sont appelés pour jouer les deuxièmes rôles, auront l'occasion de pouvoir s'exprimer. Choupo-Moting, bon, c'est vrai qu'il est... Il est déjà rentré en club. Voilà. Mais il est quand même venu signaler sa blessure. Effectivement, ça montre quand même qu'il y a l'harmonie, il y a l'entente, c'est-à-dire qu'il y a une synchronisation entre le nouveau staff et les différents joueurs qui ont été appelés. C'est une rentrée pour le Cameroun après la défaite en huitième de finale face au Nigeria. Et on souhaite également que le nouveau coach qui est venu, c'est bien déjà qu'il ait dit qu'il ait été stipulé qu'il doit résider au Cameroun. Parce que là, c'était le principal problème. Vous ne pouvez pas, comme le coach Sidov avait dit, il n'y a pas de joueur au Cameroun, pourtant il n'y vivait pas. Nous, on suit le championnat, on a quand même pu relever certains joueurs qui se sont démarqués. Le fait qu'il vive au Cameroun va permettre que lui et le coach des A-Prime puissent travailler ensemble pour pouvoir monter quelque chose de bien. Sébastien Djanakana, premier galop pour Antonio Conceição et son staff. Il revient avec les anciens Lions. On a François Mambik, on a Jacques Songo qui connaissent bien la tanière. Ce galop d'essai avec une équipe diminuée, est-ce que c'est là où on doit le juger ou on doit le prendre au mot, lui qui a annoncé les couleurs depuis la semaine dernière? Juger, je ne peux pas dire le juger. Bon, pour les joueurs déjà qui sont blessés, je crois que c'est le football. Comme Frida l'a dit, là, aucun joueur n'a des titres fonciers à l'équipe nationale. Et en plus, si certains sont blessés, il y a d'autres qui peuvent valablement les remplacer. Maintenant, c'est à ceux qui étaient dans la liste d'attente qui vont pouvoir remplacer les autres, de montrer ce qu'ils valent, quoi. Et il y a cet entraîneur qui dit on ne va pas lui imposer les choix, mais on a quand même des joueurs comme Aurélien Chouédio qui sont performants depuis quelques jours, Franck Bouyaz et Lamkel et bien d'autres. On lui a posé la question, il a dit chacun aura sa chance dans cette équipe nationale du Cameroun. Effectivement, c'est comme ça que ça doit marcher. Vous avez vu par exemple en France Mandanda qui revient, qui renaît de ses cendres et qui revient inquiéter Hugo Lloris. C'est comme ça que ça doit marcher. Aujourd'hui vous êtes performant, vous êtes là, demain vous ne l'êtes pas, vous n'êtes plus là et on appelle celui qui est performant pour le moment. C'est comme ça que ça marche. Ça doit toujours être les meilleurs parce que ce sont toujours les résultats qui sont attendus. On n'a pas le temps d'attendre une période de flottement d'un joueur pour essayer de l'aider à continuer. Non, on n'est pas là pour aider les gens. Ce sont les joueurs qui doivent aider la nation. Donc, il faut prendre les meilleurs. Le coach a déjà dit que les portes sont ouvertes à tout le monde et qu'on ne va pas lui imposer. C'est bien, mais il reste que ça suive. Et il reste que ça suive. De ce côté, on va souhaiter bon vent au Lyon qui dispute ce match à Rades tout à l'heure face à cette formation de la Tunisie. On va ressortir de ce programme avec cette dernière articulation. On parle du championnat professionnel qui a annoncé le démarrage demain dimanche avec l'organisation par la Fédération Camerounaise de football de la Supercoupe qui oppose le vainqueur de la Coupe et le vainqueur du championnat. UMS sera face à la formation de Lyon blessé de Futuni. Elle sera du côté du stade de Kouékon de Bafoussam. Mais qu'à cela tient, Frida, on se rend l'évidence que les clubs ont déjà croqué, si on peut utiliser ce langage, 204 millions. Il y a deux semaines, ils ont reçu 102 millions. Et en milieu de semaine, ils ont reçu 102 millions. Ça fait 8 millions pour chaque club de Ligue 1, 4 millions pour les clubs de Ligue 2, 33,5 millions pour les clubs de football féminin. Est-ce qu'on va dire avec cette enveloppe-là, on peut devoir démarrer désormais lorsqu'on sait qu'on reste toujours dans les pétoires avec le général Semenge qui ne lâche pas prise?
C'est vrai que c'est une situation compliquée. Si tout avait été bien fait dès le départ, sans le conflit entre la FIFA Foot et la Ligue professionnelle de football, ce serait bien. Sauf que l'argent ne vient pas tout résoudre. Il y a quand même le fait que le général Semeng est en train d'être mis de côté de manière brutale, parce que je suis sûre que quand le championnat finissait l'année dernière, il ne se voyait pas dans ce conflit à ce moment-ci. On avait parlé d'un championnat bancal, on a traité de tous les mots d'oiseau, alors que les experts s'accordaient à dire véritablement pour cette fois, on pouvait tirer un coup de chapeau à la Ligue et patatras. Est-ce que c'est 1,2 milliard que la FIFA devra mettre à la disposition du football professionnel au Cameroun qu'on est en train de lorgner du côté de la fédération? Oui, mais bien sûr, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Lorsque le football venait s'installer au Cameroun, il n'y avait pas autant de guerre parce qu'il n'y avait pas autant d'argent. Mais maintenant que les chiffres vont en s'augmentant, c'est normal que il y a des coups de gueule et des poignards qui sortent de partout. Mais il faudrait. C'est le footballeur qui perd, c'est lui qui paye les pots cassés. Parce que ce championnat aurait dû commencer depuis. Mais malheureusement, on a vu les équipes camerounaises éliminées très tôt des compétitions africaines parce qu'il n'y avait pas de match sur les gens. Même s'il fallait recommencer, on serait toujours éliminé parce qu'on n'a toujours pas démarré. On doit préparer le champ aussi à la maison et l'entraîneur a envie de voir les joueurs sur le terrain. Voilà, maintenant on va se retrouver en train de faire jouer un championnat. Peut-être le dimanche, le mercredi et le samedi, parce qu'il faut aller vite. Pourtant, on aurait pu prendre tout ce temps et jouer normalement les matchs. Vivement que cette guerre entre la FECA Foot et la LFPC cesse, parce que c'est le footballeur qui perd, c'est le football camerounais qui perd. C'est le footballeur qui perd, c'est le football camerounais qui perd. Sébastien Ndiana Kana, toujours sur ce même volet. On se rend l'évidence que dans les prétoires, il y a PW Djidé Bamenda qui réclame sa place en Ligue 1. Il y a les As qui sont montés par les bureaux. Il y a même New Star de Douala qui recrute, fait un recrutement XL en rassurant ses socios ou encore ses supporters qu'ils évolueront en Ligue 1 la saison prochaine. Mais là, demain, on doit déjà lancer la compétition avec la Supercoupe. Comme je le dis, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour notre football. Si aujourd'hui, on dit qu'on doit lancer un championnat dimanche et qu'il y a certains clubs qui se plaignent encore que normalement, ils devaient évoluer. Soit en Ligue 1, soit en Ligue 2, on ne connaît pas la situation. C'est dérangeant. Mais le Cameroun, comme je le dis toujours, on le fait avec. Et quand on le fait, on n'a même pas honte. Donc, je sais, s'ils ont dit qu'ils vont démarrer vraiment, moi je suis de tout cœur, il faut vraiment que le championnat reprenne déjà. Parce que les joueurs, ce sont les joueurs qui en souffrent, comme Frida l'a dit tout à l'heure. Il faut vraiment que le championnat. Il y a une équipe comme le Tonnerre qui n'a pas encore démarré avec les entraînements, quelques jours du démarrage du championnat. Il y a AS Fortuna qui est du côté de la Guinée équatoriale qui dispute deux matchs amicaux face au A' de la Guinée équatoriale qui prépare le prochain champ à la maison. Mais Frida, j'ai envie de vous poser cette question. Vous êtes une reportrice. Est-ce que si la CCA venait à annuler tout ce qui est en train d'être fait par la fédération, on devrait recommencer à zéro, surtout avec le général Pierre Semenge? Oui, effectivement. Sauf qu'on ne va pas recommencer à zéro parce que je suis sûr que à l'heure où on parle, il est tout déjà en train de faire une certaine programmation, les accréditations et tout. Ils ont déjà annoncé le démarrage depuis au moins 2 mois. Voilà. On aurait déjà démarré. Donc, bon, là, peut-être qu'il attend les décisions judiciaires qui vont venir essayer de mettre à plat. Est-ce que ça va venir s'aimer le trouble? Le trouble, non, parce que je pense que les instances judiciaires sont l'arbitre. La CCA, c'est l'arbitre. Si la CCA prend une décision, je crois qu'il va falloir s'aligner pour qu'on ne retombe pas dans l'anarchie et dans le désordre total. Qu'on ne retombe pas. On a vu quand même que des situations comme celle-là est... Et la fédération qui annule, par exemple, le procès verbal des homologations de la saison dernière, est-ce que ça ne complique pas la tâche aujourd'hui dans l'organisation de ce championnat professionnel au Cameroun? Plus que même le Cameroun, déjà d'abord, même quand on prend des décisions, on ne les respecte pas. Donc, alléger la tâche, c'est difficile à dire. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il faut vraiment que le championnat commence. Il faut que le footballeur se sente dans son élément. Parce que je crois que c'est 5 mois, ça fait 5 mois aujourd'hui que le championnat s'est arrêté. Donc je crois qu'il est temps. Il est temps qu'il faut qu'on relance notre championnat. Déjà, surtout pour les joueurs et pour le champ qui arrive. Vraiment, il le faut déjà. Frida, nous on parle du football féminin aussi. Il y a la Ligue spécialisée qui se met sur pied peu à peu. On a vu ces présidents qui sont passés à la caisse en milieu de semaine. Mais ce n'est pas la grande sérénité de ce côté, les présidents qui se plaignent des ardoises qui traînerait du côté de la Fédération Camerounaise de football. Mais ils ont quand même pris ces 2,5 millions pour chacun, Frida Nola. Oui, ils ont pris ces 2,5 millions tout en se plaignant de désaillerer des deux saisons précédentes. On espère que le président de la FECA Foot va tenir à sa parole parce qu'il a dit que chaque
chaque président de club doit rencontrer le DAF de la fédération pour qu'il puisse justifier l'utilisation du budget de la saison dernière pour que le reste puisse leur être restitué. Et certains présidents ont déclaré être à jour et bon, d'autre part, à ce qu'il paraît. Donc, les choses sont déjà en train d'être mises en place pour qu'ils puissent entrer en possession de leur argent. Vous savez, il y a toujours un grand fossé entre ce qui est dit là tout de suite et ce qui... Mais on avait annoncé que ces joueurs devaient être salariés, si on peut se le dire ainsi. Oui, mais les clubs ont reçu, 12 clubs ont reçu 33 500 000. Ça fait environ 2 700 000 pour chaque club. Vous allez payer les joueurs avec quoi? C'est, peut-être si... Il y a un argent qui arrive, mais si c'est avec cet argent-là déjà qu'il faut commencer par payer les nouvelles, c'est-à-dire payer les contrats, payer les déplacements, payer les restaurants, payer les stades, payer les équipements, tout payer, ça ne représente rien. Les salaires vont venir d'où? C'est la promesse que la présidente de cette ligue, Céline Nico, a faite. On espère qu'elle a mis déjà la manœuvre qu'il faut pour que ce soit fait, parce que là, les présidents de clubs sont dans une situation compliquée avec les joueuses qui savent que les salaires doivent arriver. Donc cet argent-là doit venir de quelque part. Vivement que ce ne soit pas une guerre à couteau tiré entre les joueuses qui, à un moment donné, vont dire on ne joue plus parce qu'on n'a pas de salaire. La solution viendra forcément de quelque part. Mais déjà, ce sont des déclarations lourdes de sens qui doivent avoir un plan d'accompagnement. Vous avez suivi cette réunion en milieu de semaine. Quelles sont les grandes annonces? Quelles sont les innovations pour la nouvelle saison qui est annoncée pour le 18 prochain, si rien ne change? Oui, déjà, la fédération a décidé de... En fait, la Ligue a décidé de mettre en place une nouvelle compétition. Donc, ça va faire 4. Le tournoi de la fille, parce qu'on avait le championnat, la coupe, le tournoi de la femme, maintenant, le tournoi de la fille. Bon, il faut quand même relever que tous ces 3 tournois précédents se jouaient toujours en dents de scie. Hein. Et soit en dents de scie, soit c'était bâclé. Parce qu'on se souvient que la finale de la Coupe du Cameroun a été programmée alors que les Lions Indomptables jouaient. Donc moi, par exemple, je suis arrivée au stade, j'ai fait quelques photos, j'ai vu la première mi-temps, j'ai dû courir pour aller voir le match des Lions. Ça veut dire que les choses n'étaient pas bien préparées. Maintenant, quand notre tournoi est ajouté, il faudrait que les choses soient bien organisées. Il y a Mme Anguille quelque part de ce côté qui maîtrise ces choses-là, la nouvelle secrétaire de la Ligue spécialisée de football féminin. C'est une bonne chose. C'est vrai qu'à la Ligue, on avait déjà des programmations et des déprogrammations. J'espère que chez les dames, on n'aura pas ça parce qu'on a connu trop de ruptures, toujours à cause de cette histoire de budget. Mais comme il semble que la fédération a déjà la main tendue, avec beaucoup de biens à l'intérieur, on espère que ce problème ne va plus s'opposer. Ça fait 4 tournois, donc les filles auront du temps de jeu. Et là, on pourra mieux faire le casting de celles qui peuvent postuler pour les différentes sélections nationales. Sébastien, aujourd'hui, il faudra faire la part belle à ces dames. Peut-être jouer à l'annexe 1, peut-être jouer au stade militaire, que d'aller au centre technique de la fédération, dans les tréfonds de Yaoundé. Il faut au moins vulgariser aujourd'hui, il faut faire sortir ou encore permettre à ces Lyon ou encore à ces différentes équipes de bénéficier de ce que l'équipe nationale fait aujourd'hui. Justement, je crois que si ces stades ont été conçus, c'est pour jouer dessus. Si restent là, par exemple, les intellis qu'on joue, tu vas jouer au bal sur un stade qui n'est même pas tendu, rien. Les ailes arrivent au niveau des genoux, vraiment, et que tu as le stade annexe 1 et 2 qui sont là, tu as le stade militaire qui est là, et qu'on ne puisse pas en profiter, vraiment, c'est dommage. Donc, je crois que si ça se passe comme Frida l'a dit tout à l'heure, avec 4 compétitions, je crois qu'il faut utiliser ces stades-là. Et même en les utilisant, je crois que c'est où on prépare mieux les compétitions à venir sur les stades. On ne va pas garder les stades-là. Il y a l'eau, par exemple, il y a le courant, il faut voir si tout ça fonctionne de temps en temps. Il faut roder. Il faut roder, voilà, il faut roder toutes ces choses-là. Si on ne les fait pas, et que quand une fois, il faut essayer de jouer à nocturne, il faut. Voilà, et qu'il faut venir faire au jour J et après ça ne marche pas, on va encore dire oh, le Cameroun est défaillant. Donc je crois que c'est maintenant qu'il faut commencer à rôder toutes ces choses. Quel est le conseil que vous pouvez donner à cette ligue spécialisée? On sait que ce sont les mêmes gens qui reviennent et peut-être la dénomination aura changé, mais quel est le conseil en tant que dame, en tant que reporter que vous pouvez donner à ces dames qui arrivent à la tête de ce nouveau joyau? En fait, le conseil que je peux leur donner, c'est de faire avec tous les acteurs du football féminin, parce que c'est une famille. Si on décide de commencer à mettre certaines personnes de côté, ça sera compliqué. On a besoin de toutes les ressources pour que ça marche. Le football féminin a beaucoup de ressources aujourd'hui. On a les anciennes footballeurs, on a les anciens présidents, on a également des hommes qui ont dépensé tout leur argent dans ce football. On a besoin donc de tout le monde. Ces difficultés, ça, et même des journalistes, puisque nous, on accompagne ce football féminin depuis plusieurs années. Donc, on aimerait voir
une programmation bien faite à l'avance, des conditions de jeu bien, des feuilles de match à temps et tout, qu'on puisse avoir des conditions de travail aussi professionnelles et permettre aux filles de pouvoir s'exprimer. Parce que lorsque vous voyez un match qui se joue et puis une équipe demande de l'eau, on donne de l'eau et puis on donne, par exemple, un pack d'eau et puis ça finit, c'est très, très, très moche à voir. Et surtout dans le four. On joue à 8h, on joue à 10h. Dans le four d'Odja, c'est compliqué. Vous voyez un match qui est délocalisé quelques minutes avant, ce sont des situations vraiment compliquées. Vous avez dit que Mme Anguele est arrivée et qu'elle a l'intention de professionnaliser ce football féminin. Vivement que ce soit le cas. Et Sébastien Dianakana, pour ce qui est de votre actualité, vous continuez avec Sporting. C'est quoi les nouveaux challenges? Est-ce que vous êtes inscrit dans cette licence qui a annoncé du côté de la direction technique nationale qui va s'y faire sur un an pour des joueurs comme vous, anciens footballeurs, anciens joueurs d'élite au niveau du Cameroun? Oui, je me suis fait inscrire, je crois que j'ai déposé les dossiers, j'attends maintenant. Vous continuez avec Sporting ou Sporting, c'est quoi l'actualité? Puisque déjà avant Sporting, j'étais d'abord avec Soleil Academy et en plus il y a le camp d'entraînement que je, de Chico avec Chico tous les matins au camp de l'ONCAC. Oui, donc Sporting pour le moment, je ne sais pas encore, je n'ai pas grand-chose à dire. Quel est votre meilleur souvenir au niveau de durant toute votre carrière? On vous a vu sur toutes ces années, vous avez fait le tour des villes, le tour des stades, le tour des clubs. Je crois mon meilleur souvenir, la réception à la présidence après la médaille d'or des Jeux africains d'Abuja. Wow. Ah. Frida, l'actualité du côté du CameroonSport.info continue. On peut vous lire sur la toile. Effectivement, CameroonSport.info, c'est l'actualité, toute l'actualité est en temps réel. Et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook CameroonSport, qui a désormais 98 000 fans et on est en train d'aller vers 100 000 fans. C'est quelque chose de formidable. On vous le promet. Le 8 mars, c'est vous qui allez présenter H-Foot. Est-ce que vous prenez rendez-vous déjà quelques mois avant avec les téléspectateurs de H-TV? Je suis obligée d'accepter. Je vais me préparer dans ce sens-là. Vous vous préparez déjà. Vous préparez votre casting. Vous préparez tout pour que les choses se passent. C'est vous qui serez à cette place-ci. On vous fait déjà cette honneur par rapport au travail que vous faites infiniment. Merci, Frida Ngonola. C'est moi qui vous remercie. Je remercie également tous les téléspectateurs de H-Foot qui sont fidèles au rendez-vous H-Foot parce que c'est pas facile, c'est un travail pas facile et c'est pour eux que vous montez, vous descendez dans tous les stades du Cameroun et même à l'international pour pouvoir leur donner un contenu crédible. Merci Sébastien Dianakana de l'honneur que vous nous faites. On sait que c'est peut-être la première pour vous. Nous, on a aimé et on sait qu'on va peut-être multiplier les rendez-vous comme cela sur cette antenne pour permettre aux gens de discuter des questions du sport, surtout que vous en êtes un initié, si on peut se le dire ainsi. D'accord. Merci et merci à tous les téléspectateurs de H-Foot. Rappelons que la rediffusion de ce programme, c'est tous les lundis à partir de 16h sur cette même antenne. Une grosse équipe m'a accompagné dans le cadre de la réalisation de ce programme. Le réalisateur en chef, Dieudonné Bangala, était là. William Kamga, ingénieur de son, était bien positionné. Marina Kogvina, Gabriel Messina, David Kevin Abala ont travaillé et m'ont permis de réaliser ce programme. Et sans plus tarder, on va vous demander de garder la H-attitude. Portez-vous bien, bon week-end, bien de choses à vous et surtout, ciao, on se retrouve au prochain numéro.